bouge pas. Ouais, c'est parfait comme ça, attention. Super. Vous faites quoi? Je prends Mélina en photo pour la montrer à des amis sur ma page. Oh là 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 là, non, 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 tu peux pas poster une photo de ta petite sœur comme ça. Non, c'est son image, on peut pas jouer avec. Ah, dommage, j'avais des super nouveaux effets pour les photos. Alors, jamais de photo dénudée, jamais en maillot de bain, rien. Faut la couvrir, faut pas qu'on la reconnaisse. Voilà. Hop, ça, c'est pas assez. Si. Ah, voilà. Bon, j'ai compris, je mettrai pas cette photo. Sage décision. Bon, allez, venez, je vous ai préparé un gâteau. Il y a quelqu'un, j'arrive pas du tout à bouger, là. C'est souvent comme ça. On me dégaine, je prends une photo, je l'envoie sur les réseaux sociaux, et ça, sans réfléchir. Sans se demander si quelqu'un ne va pas la réutiliser. Il faut protéger les enfants et ne pas publier d'images d'eux. Et ça, peu importe leur âge. Donc là, c'est des enfants au ping-pong. Là, c'est les enfants chez leur papy. Bah, là. Pourquoi toutes tes photos sont floues? On voit rien du tout, on sait même pas qui c'est. Bah, pour préserver leur identité. T'en as de ces questions, toi?